tous en direct de Kazan. Ce soir, c'est Iran-Espagne. Quatrième match du groupe BE total combiné. Kazan Arena, 21h. Il fait beau. Voilà, Kazan, c'est là où la France avait joué leur premier match. C'était la journée. Là, on le voit de soir. Enfin, de nuit, plutôt. On va tout de suite assister aux hymnes. On va commencer par celui de l'Iran. Voilà. Et maintenant, celui d'Espagne. Espagnol, quoi. Voilà. Je peux en serrer les mains. Donc, maillot rouge de l'Espagne, on l'avait pas encore vu. On peut le voir maintenant. Vont-ils marquer cette fois? Hein? Allez. Composition, on va commencer par l'iranienne, entraînée par Kairoz. C'est. Je sais pas, je vous laisse lire. Hein. Encore une fois, y a, comme je disais avant le match, je me disais, il y a beaucoup d'équipes hein, où j'arrive pas à lire leur nom. C'est surtout des équipes du Moyen-Orient. Enfin, composition espagnole entraînée par Hierro. C'est deux GA dans les buts. Fernandez, Piqué, Ramos et Alba en défense, en milieu de terrain. C'est Coquet, Busquets et Iniesta. Et en attaque, c'est Silva, Costa et Isco. Voilà, l'Espagne va engager ce match. Il est où Messi? Non, je rigole, évidemment. Allez, c'est parti. Avec Diego Costa qui engage. Isco, Coque. Ramos. Coque. Iniesta. Coque. Iniesta. Diego Costa. Attention, Silva. La frappe. Non, ça passe pas. Sergio. Busquets, c'est le but. Ouverture du score espagnol. À la quatrième minute. Et voilà, ça fait comme les Russes. Ils ont pas marqué dans le match. Dans leur premier match, et là ils marquent directement. Voilà Sergio Busquets. Quatrième ou cinquième minute. C'est une blague, les gars. Ils ont pas d'idée des chambres, ils ont entraîneur iranien. Quatrième minute. Voilà. On les... C'est... L'Arabie Saoudite par contre a pas réussi à marquer dès le début. Ils ont marqué mais pas dès le début. Excusez-moi, le micro est tombé. Allez. Ok. Iniesta. Diego Costa. Vers Coquet. Coquet toujours. Vers Iniesta. Diego Costa. Attention la frappe de Diego Costa. Ça passe au-dessus. Dommage.
Et le gardien qui va dégager vers la droite. Récupéré par Jordi Alba. Isco. Sergio. Diego Costa. Vers Coquet. Quel arrêt. Mais quel tir en même temps. Fallait pouvoir toucher le ballon là. Ils jouent bien les Espagnols en ce début de match. Allez, Iniesta. Pour ce coup franc. Diego Costa, but! Le deuxième! Cette fois signé, numéro 19, Diego Costa. Sur corner, le gardien est sorti, il n'aurait pas dû parce qu'il n'a pas réussi à toucher le ballon. Et Costa qui la met de la tête dedans. Ça fait 2-0 pour les Espagnols à la 12e minute. Et voilà. Allez, Emery. Ça sort. Coquet. La touche vers Costa Silva. Vers la gauche, Jordi Alba. Coquet. Iniesta. Coquet encore, Iniesta. Ah, récupéré par les Iraniens. Coquet. Iniesta. Coquet. Iniesta encore. Busquets. Busquets, attention. Isco vers Sergio Busquets pour son deuxième, mais non. Ça passe à côté cette fois. Il aurait pu faire mieux. Attention, Diego Costa, Coquet, Silva, David Silva vers Diego Costa, David Silva encore, c'est récupéré, mais non, Sergio Busquets, c'est Iniesta, Iniesta encore, Iniesta la frappe et l'arrêt, c'était contré. Entraîneur qui est content. Allez, David Silva, Nacho, Coquet, Diego Costa, vers Isco, Isco, il a loupé, dommage. Amiri. Sardar, hein, c'est récupéré par Busquets. C'est faute iranienne. Allez, Ramos, le capitaine. Sergio. Iniesta. Coquet. Iniesta encore. Iniesta, Costa. Non, ça ne passe pas. On va attendre la 36e minute, hein,
pour voir si la règle du x3 se suit, si le pattern. Parce que 4, 12, on va voir, peut-être. Ah non, ça a récupéré. Amiri. Karim. Non, Alba qui la sort en touche pour pour les Iraniens. Allez. Attention. Ouais, Ramos qui l'a dégagé. Allez, nous sommes dans la 36e minute. Va-t-il y avoir un but? Corner en tout cas. Pour l'Iran. Allez, retirer. On va pas être à la 36e minute en tout cas. Mais un but! But iranien! On peut dire que c'est la 36e minute, hein. On peut dire ça. Sur corner! F2GA n'a rien pu faire. C'est rentré. Oh, F2GA plutôt mauvais sur le coup. Et du coup, c'est la 37e minute officiellement, je crois. Et oui, malheureusement, c'est pas. Bon, on va dire que pour nous, c'était à la 36e. On va dire qu'il l'a mis en avance pour nous. On va dire que toi, t'es pas accéléré. Donc 4 x 3, 12 x 3, 36. Mais 36 x 3, je me rappelle plus ce que c'est. Ah non. Ça doit être 108 ou un truc comme ça. Je crois que c'est 108. Donc ça va être impossible de marquer un but à la 108e. On va voir s'il y a d'autres buts. Allez, Busquets, Coquet. Piqué, Nacho, Sergio, Busquets, Coquet, Andrés, Iniesta, Coquet, Sergio, Busquets, Iniesta, vers Diego Costa. Là, c'est récupéré par l'Iran, dégagé loin devant. Mais toujours sur l'Iran, avantage. Faute. Allez. Attention, l'Iran. Arrête de GA. 4 minutes de temps additionnel. Nacho. Récupéré par l'Iran. Attention. Amiri. Karim. Non, Nacho, bien joué. Sergio. Et vous voyez Nacho, je crois que il avait le sur au-dessus de sa tête, c'était marqué un nom plus long et j'avais dit je vais l'appeler Nacho. Allez, mi-temps 2-1 pour les Espagnols à la mi-temps. But de Sergio Busquets à la 4e minute et Diego Costa à la 12e minute. Et un but pour l'Iran à la 36e pour nous, hein. Officiellement à la 37e de Azmoun. Costa qui a loupé. Oh, c'était beau ça. Et sorti pour un corner à bénéfice pour les Espagnols.
Et donc la corner aussi. Oh, dommage, 2GA, là, il aurait quand même pu l'arrêter celui-là. Hein. Donc du coup, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Engagé par l'Iran. Allez, attention, ça récupère par Jordi Alba. Karim Safi Amiri Sardar Karim Koke qui récupère vers David Silva, Koke encore, Diego Costa, non ça récupère par l'Iran au mid. Allez, on va au mid. On va au mid les gars, 0-0. Sardar récupéré par Sergio Ramos, le capitaine espagnol. Allez, Jordi Alba vers Sergio Busquets. Alba, Thiago, Isco, Sergio Busquets, Thiago, Busquets encore, Thiago encore, Koke, Thiago, Koke, Busquets, Costa. Oh, c'est un coup franc pour les Espagnols. David Silva va le tirer. Allez, Silva qui feinte. Finalement, c'est Alba pour Isco. C'était bien. C'était une très très belle idée. Mais non. Koke qui cède sa place à Saoul pour les Espagnols. C'était très bien. Ouais, très belle idée quoi. Allez. Diego Costa. Non, récupéré par les Iraniens, attention. Au mid, Karim. Récupéré par les Espagnols, Thiago. Jordi Alba. Karim. Sardar. Non, dommage. Nacho qui récupère Silva. Diego Costa. Sergio. Thiago. Sergio encore. Ouais, non. Ça ne passe pas. Au mid. Sergio Busquets qui récupère. Thiago. Allez, Costa. Vers Isco. Et non. Non, 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 non. Sardar. Amiri. En hauteur. Sardar. Récupéré par Sergio Ramos. Diego Costa. Saoul. Nacho, Silva, Nacho. Sergio, Silva, Saoul. C'est capté par le gardien iranien. Et la tête de Nacho vers Silva. Saoul. Sergio, Busquets, Thiago, Busquets, Thiago encore, Thiago, la frappe, ça sort en corner pour les Espagnols. Ça aurait pu faire but hein, s'il était pas là ce défenseur. Ouais, David Silva pour tirer le corner.
encore une fois. Cette fois, il joue court. Thiago. Vers Sergio Busquets. Busquets, attention. La passe pour Costa. Oh, c'est l'arrêt du gardien iranien. Avec plus de 15 minutes à jouer. Et Ramos. Saoul. Piqué. Saoul. Silva. Jordi Alba. Il est pas à côté gauche normalement. Allez, Diego Costa, attention. Costa, il a tenté le centre. La capte gardien, encore une fois. Allez. Alors, Nacho qui récupère bien. Jordi Alba. Thiago. Sergio. Busquets. Saoul. 8 minutes encore à jouer. Alba. Au mid. Non, 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 il y a un avantage. Karim. Safi. Piqué qui a loupé sa tête, mais Saoul qui est là pour la récupérer. Silva, Costa, Alba, Alba, attention, c'est bien joué de la part des Iraniens. Thiago, Silva, et non pas Thiago Silva, le joueur. Silva, Saoul, Silva encore, oh là là là. Corner espagnol à la 88e minute de jeu. Et un changement, c'est Taremi qui remplace Ansari Fard et Jordi Alba qui se fait remplacer par Marco Asensio. Attention, non, non, non. Et Silva qui est toujours là. Silva vers Thiago. Silva encore, David Silva. Gérard Piqué est blessé. Isco. Non. Contre-attaque iranienne. 2 minutes de temps additionnel. Pas beaucoup pour une fois. Allez, attention, Mehdi. Mehdi. La frappe et l'arrêt de Dogea. Quel bel arrêt. Allez, dernière occasion iranienne. On est vers la fin de ce temps additionnel. Il reste 5 secondes. Mais au moment où le corner sera tiré, il restera rien. Il n'en restera qu'un. Allez, corner tiré. La tête. Je crois que c'est celui qui a déjà mis le but. Asensio, c'est fini. Victoire espagnole, 2-1 à Kazan. Voilà. Donc, 2 buts dans les 15 premières minutes. Un Sergio Busquets à la 4ème. Un Diego Costa à la 12ème. Et un des Iraniens à la 36ème. 37ème, non, 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 36ème. Donc, 4, 12, 36. Vous voyez le pattern, à vous de juger. Si on est allé jusqu'à la 108ème, il y aurait un but, c'est sûr. Donc, voilà. S'il y avait eu prolongation. Donc on va revoir un peu tout ça, le but de Sergio, Busquets. Ah, Busquets, c'est. Dans le but de Diego Costa, non, Coquet qui la met sur le gardien, mais après corner, qui a donné le corner pour le but de Diego Costa. Là, il y a eu le but de l'Iran. Et j'espère qu'on va revoir ce coup franc magnifique des Espagnols. Qui n'a pas fait bien, mais magnifique. Voilà.
Quel arrêt du gardien. Quel arrêt. L'arrêt de Dodgea et c'était le dernier je crois parce qu'après il y avait eu le corner. En tout cas j'espère que ce match, ce dernier match de la journée vous aura plu. Je vous dis, n'oubliez pas de lâcher le like, le commentaire, de partager et de vous abonner, c'est très important. Je vous retrouve demain pour Danemark-Australie, France-Pérou et je sais pas, je regarde, attendez. Et Argentine-Croatie. Allez, à demain. Bye.